Donc pour notre challenge, nous on est parti de deux besoins. Donc les besoins des parents d'outils concrets pour soutenir et suivre le développement et l'apprentissage de l'enfant dans la vie quotidienne. Donc parce qu'il a peut-être des thérapies à côté, mais après tout le reste, enfin la thérapie c'est une partie de la vie de l'enfant. Après il y a tout le reste à la maison. Et puis dans la vie de tous les jours, et aussi les besoins des feedbacks, donc les besoins des parents, des feedbacks de la part des professionnels par rapport à ce qu'ils font avec l'enfant, est-ce que ça va, est-ce que ça ne va pas, est-ce qu'il faut, on peut changer, ça peut être implémenté. Et pour atteindre voilà, des objectifs spécifiques. Donc on a imaginé une utile numérique, une plateforme, une application en fait à réfléchir. L'idée c'est que les parents gèrent sur cette application un profil, créent un profil de l'enfant, qui doit être vraiment personnalisé par rapport à l'enfant, ses compétences, ses capacités, l'âge et tous ces critères-là. Et puis les parents aussi donnent l'accès aux intervenants, aux thérapeutes, aux professionnels du réseau. Et puis, voilà, l'idée, c'est qu'on fixe sur cette application des objectifs. On peut avoir, on s'est inspiré par l'intervention précoce. Et puis, on a 20 objectifs avec différentes gradations de difficultés. Et puis, pour chaque objectif, on a imaginé cette... Je vais laisser à Prisca se présenter cette... Oui, alors du coup, par exemple, si on prend le pointage, on a le niveau 1, c'est le pointage le plus facile. Peut-être le pointage de proximité. Après, ce sera plus dur si on essaie de pointer loin. Et du coup, nous, on va essayer de travailler avec les thérapeutes. Enfin, les thérapeutes décident du coup des objectifs qui sont à travailler. Et le parent à la maison, il peut voir une explication de ce qu'on est en train de travailler actuellement. Une vidéo de démonstration qui est publique, c'est-à-dire les autres parents voient aussi cette vidéo de démonstration, les autres parents qui sont dans le même stade, en train de travailler les mêmes compétences. Le parent voit cette vidéo et essaye de l'appliquer à la maison avec son enfant. Durant cet instant, il filme son interaction avec l'enfant, qu'il envoie après à un thérapeute qui va lui donner un feedback finalement. Comment vous aurez pu faire mieux, qu'est-ce qui a bien fonctionné Et pendant que le parent fait ça, quand il envoie la vidéo, il met aussi un commentaire sur les mots-clés, par exemple, dans quel contexte ça s'est passé, s'il y a eu des distracteurs dans l'environnement. Ces informations et la vidéo pourront être analysées pour la recherche si le parent est d'accord avec ça. Ça, c'est une autre partie de ce projet. Et les vidéos qui sont filmées par les parents avec les enfants dans un contexte peut-être plus représentatif des interactions que les parents ont avec les enfants pourront être ajoutées à ces vidéos démonstratives si elles sont jugées adéquates, si elles sont approuvées finalement, et après regardées par d'autres parents. Mais ça, c'est si le parent le souhaite. Du coup, quand le parent il donne le feedback sur la vidéo, on dit, on continue de travailler sur ce niveau ou alors on peut passer au niveau suivant. Et comme ça, ils sont les deux en accord avec... Oui, OK. et on pensait aussi à une barre de progression, comme ça, avec les niveaux, on peut voir où est-ce qu'on en est dans cette progression. Et c'est important que l'upload soit facile et rapide. Voilà. On a des outils... les difficultés sont principalement avec la confidentialité et le consentement des parents, la création du matériel... et puis, il faut aussi que les intervenants ils soient assez, ils répondent assez rapidement, sinon ça ne fonctionne pas. Et puis aussi, comment est-ce qu'on pourrait appliquer ça en dehors de l'intervention précoce ? Voilà. Merci.